Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'œuvre noire, le podcast de Métallurgie qui décrypte pour vous les références artistiques et culturelles du métal. Je suis Scalmax et on se retrouve pour cet épisode 14 qui a mis un petit peu de temps à venir mais mine de rien. Euh, L'épisode 13 était sorti il euh, y, y a un petit moment, on s'était quitté sur Moby Dick. Puis ensuite, bah il voilà, y a eu pas mal de choses, le Hellfest notamment, euh, le début des vacances, ce genre de choses donc... Voilà, mais euh, et puis j'essaye aussi de sortir des, des vidéos quand même euh, de plus en plus fréquemment sur la chaîne de Métallurgie, donc j'essaye voilà, de dédier mon temps, d'alterner mon temps entre, euh, en, entre préparer euh, ces podcasts et puis euh, entre chaque podcast essayer de publier peut-être une vidéo, euh, ce qui fait qu'il y a un peu plus de délai entre les épisodes, mais voilà, on est bien parti en tout cas pour cet épisode 14 consacré... Cette fois un mythe grec euh, bien connu, c'est pas la première fois qu'on parle de mythe grec dans cette émission d'ailleurs, parce que on avait parlé de Prométhée, il y a des chances qu'on reparle rapidement de Prométhée dans cet épisode-là. Et donc on va parler d'Icar, ce personnage assez connu quand même, qui a volé trop près du soleil et qui s'est brûlé les ailes, et c'est un personnage qui a inspiré quand même pas mal de coupes de métal, donc on va, euh, on va faire le tour de la question. On passera donc l'épisode en Crète, euh, cette île grecque qui a accueilli le labyrinthe euh, duquel Icar a voulu s'échapper. Euh, Icar, ce sera notre thème central, mais en fait, on va élargir à deux autres personnages, et euh, tout ça en compagnie de trois groupes. Aujourd'hui, on est avec Flash God Apocalypse, Abigor, et Thrice. Euh, Thrice, qui est d'ailleurs la première entorse, je pense, à euh, vraiment du métal pur jus dans l'émission. Euh, Thrice, qui est un peu plus euh, rock, alternative rock, mais... Vous verrez que ça vaut le coup de parler de ce groupe. Euh, donc ce sera le, le, le dernier groupe qu'on abordera à propos de ce thème. Donc le point de départ, comme toujours, hein, c'est bah, mes écoutes personnelles. Quand je tombe sur des morceaux qui ont des thèmes communs, qui ont des thèmes similaires, qui ont des personnages qui se recoupent, eh ben, euh, ça me donne envie de chercher, de fouiller un peu. Donc ce sont essentiellement deux groupes qui m'ont orienté vers ça. Euh, le premier, c'est Emperor. Euh, Emperor, avec son, son troisième album, il y a un morceau qui est dédié à Icar, euh, le morceau c'est An Elegy of Icarus et euh, Iron Maiden aussi bien sûr euh, qui avec son morceau Flight of Icarus m'a donné euh, l'envie de fouiller dans cette direction et m'a fait dire me dire qu'il y avait certainement une récurrence de cette figure là dans le métal et je me suis pas trompé parce que il y a quand même pas mal de groupes qui se sont intéressés à la question euh, disons que j'avais le choix en termes de, de groupes après ils n'ont pas tous des paroles euh, intéressante. Et comme je disais, on va pas parler simplement de d'Icar, on va aussi parler de Dédale, qui est une figure forcément indissociable de lui, puisqu'il s'agit de son père, et on va parler aussi du Minotaure. Alors peut-être quelques mots sur les, les, les origines de ce mythe, en fait ça provient des métamorphoses d'Ovid. Ovide, c'est un poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, et donc Ovid dans ses métamorphoses va nous parler des transformations, des changements euh, qui arrivent aux dieux, aux héros et aux mortels. De, de la mythologie, en fait, de ce qui a constitué la mythologie grecque, euh, ou en tout cas les mythes grecs qu qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui. Euh, parmi les plus connus, on retrouve notamment les histoires de Narcisse, de Europe ou de Hercule par exemple, qui, sont, qui figurent dans, cette, dans ces métamorphoses. Et sans plus attendre, on va se pencher sur le premier de nos trois personnages, qui est le Minotaure. Et on est obligé un peu de passer par lui, parce que euh, sans la présence de ce fameux Minotaure, euh, on n'aurait pas l'histoire d'Icar euh, euh, qui est... Euh, la partie la, la partie la plus connue quand il s'échappe du labyrinthe. Pourquoi est-ce que Ikara a fini dans le labyrinthe Eh bien, il faut revenir sur cette histoire de créature mi-homme, mi-taureau. Pour resituer tout ça, on est en Crète, comme on l'a dit, et donc le, le roi Minos, le roi de l'île, avait promis un sacrifice de taureau à Poseidon, le dieu de la mer. Et donc Poseidon donne vie à un taureau qui est superbe, qui est vraiment une bête incroyable. Il le fait émerger des flots, mais Minos... En voyant du coup cet animal qui est fantastique, Minos décide de le garder pour lui et il va essayer de ruser en sacrifiant une autre bête, un autre taureau, euh, en l'honneur de Poseidon. Mais vous vous en doutez, quand on essaye de tromper les dieux, ça marche rarement et très souvent leur vengeance est terrible, c'est exactement ce qui va se passer ici. Poseidon va donc se venger et il va insuffler à Pasiphae, la femme du roi Minos, un désir pour le taureau, pour ce taureau qui a été créé par Poseidon. Et donc, l'union, euh, puisque oui, il y a une union entre Pasiphae et le taureau, va donner naissance à un être qui est mi-humain, mi-taureau, à savoir le Minotaur. C'est donc un affront pour le roi, forcément, puisque euh, déjà sa femme l'a trompé, qui plus est avec un taureau, et en plus, elle l'a accouché d'une ben, voilà, créature euh, assez monstrueuse, on peut le dire. Forcément, Minos ne souhaite absolument pas que ce genre de choses euh, se sache, et donc il faut le faire disparaître. Et donc Minos va enfermer, va faire disparaître le Minotaur dans le labyrinthe créé par Dédale. Je disais un peu plus tôt en termes de groupe, j'avais plutôt le choix, avec notamment Crision, le groupe euh, brésilien de Brutal Death Metal euh, qui a fait un morceau sur, sur ce Minotaur. Euh, je parlais de Flash God Apocalypse, c'est sur leur morceau que je me suis attardé, mais il y avait aussi Clutch euh, ou même Dagoba qui ont consacré un titre à cette créature. Alors on peut se poser la question, on peut se demander pourquoi est-ce que le Minotaur a autant de succès euh, bah Déjà c'est une victime... C'est une créature née d'une union entre un, un être humain et un animal. Il est né d'adultère. C'est une créature monstrueuse qui est recluse du monde, euh, qui en plus dévore des jeunes hommes et des jeunes femmes. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Thésée avec le fil d'Ariane, Thésée, il est emmené avec des Athéniens euh, dans, le, dans le labyrinthe de Dédale pour justement affronter ou pour plutôt se faire dévorer par le Minotaure. Et puis en fait, il va réussir à s'en sortir. On est sur une créature qui est mal aimée, qui est cachée aux yeux du monde, qui est recluse. Euh, donc forcément, ce, ce, ce personnage est intéressant. Euh, ça colle aussi avec ben, une esthétique métal, voilà, de, euh, encore une fois, d'être dans les marches, d'être l'outsider, etc. Visuellement, c'est une créature qui a une apparence presque diabolique. On la retrouve dans Doom. Donc Doom c'est littéralement un un FPS où vous êtes plongé dans les enfers, donc vous retrouvez voilà, ce, ce genre de créature terrifiante de, dans ce jeu-là. Euh, on le retrouve aussi sur la, sur la pochette de Hellowate de Slayer. Et on peut aussi retrouver des figures cousines du Minotaur, avec notamment une tête de bouc sur un corps d'homme à la place d'une tête de taureau, chez des groupes comme Mystifier, Nifalheim, euh, donc euh, voilà des groupes un peu black trash qui aiment beaucoup le... jouer avec des histoires de, de, de blasphème, jouer avec des symboles un peu sataniques. Euh, voilà, on retrouve quelque chose qui s'apparente, qui ressemble pas mal à un Minotaur aussi euh, chez ces groupes-là. Donc, une figure à la fois mal aimée, détestée, euh, qui repousse, qui est, qui est cachée, et en même temps une figure qui est euh, ben, presque démoniaque, qui est, euh, qui est terrifiante, qui est désignée, comme je le disais, pour, pour dévorer des humains. Donc forcément, le, les groupes de métal ne pouvaient que s'y intéresser. Et en l'occurrence, Flash God Apocalypse en a fait... Un morceau, et j'ai même envie de dire un album entier, puisque Flash God Apocalypse euh, a sorti un album qui s'appelle Labyrinthe. Labyrinthe revient un peu sur, sur tout ce mythe, justement, avec la présence du Minotaur, du coup. Flash God Apocalypse, c'est un groupe de death metal qui est assez, euh, assez bourrin, voire un peu linéaire, c'est un peu ce que je leur reprocherais euh, personnellement, mélangé avec du symphonique. C'est du death sympho, c'est pas un genre qui est très... Euh... Répandu, je trouve, euh, ils sont, voilà, c'est un peu une des têtes de gondole euh, de, du style. Dans les premiers titres de l'album, on retrouve Minotaur, euh, avec entre parenthèses, Wrath of Poseidon, la colère de Poseidon. Ça commence par une description du labyrinthe, euh, on nous parle de Fort of Disgrace, donc le fort de la disgrâce, « These corridors behold the disease », les, les couloirs sont remplis de, de maladies, on est sur un environnement qui est clairement hostile, qui est une prison, hein, tout simplement. Et puis le minotaure va commencer à parler de lui-même, puisque c'est lui qui a la parole dans ce morceau, et il va se décrire de manière très péjorative, de manière très même euh, négative, mais en même temps euh, assez lucide sur sa situation. Il se décrit lui-même comme « a stain for the sovereign of greed », donc le, le, une tâche pour le souverain de, de la um, « greed » de, de, de l'avarice. Euh, donc, ce qui est important ici, c'est surtout l'histoire de tâche il a, il a sali en fait la, la descendance royale, puisqu'il est quand même fils de la reine de, de Crète. Et il enchaîne avec I was born like a prince. Donc, si je suis né comme un prince, j il aurait dû avoir une vie glorieuse et belle. Et il contraste juste après avec I dishonored the descent with my seed. J'ai déshonoré la, euh, la lignée. Il se voit vraiment comme un fils bâtard, un fils illégitime. Et donc, il va pas se laisser abattre. Et au contraire, il va. Euh, tourner les yeux vers les dieux euh, et éclamer des choses comme Kill the king, donc tuer le roi. Il appelle à la mort de, de Minos, qui n'est pas son père, mais qui est, euh, voilà, il y a quand même une espèce de pseudo-relation de pseudo euh, filiale entre, entre lui et Minos. Il appelle euh, clairement à la mort du roi. Il le redit, même juste après, en disant God, kill the king. Donc il est, il est sur une prière. Il enjoint les dieux à mettre fin à la vie de Minos qui l'a emprisonné. Dans ce labyrinthe. Et pour continuer ce parallèle qui est intéressant avec Minos, le Minotaur se décrit comme Prince of Darkness, donc le prince, mais en l'occurrence le prince des ténèbres. Sachant que Minos règne lui aussi, mais euh, le Minotaur dit juste après, I rule on nothing, je ne règne sur rien. Il a ce côté euh, roi de roi des enfers et c'est pas un hasard d'ailleurs puisque si on prend le refrain, euh, tout le refrain en fait pourrait coller. À une figure satanique, à Satan lui-même, euh, qui est une, euh, qui est un ange déchu, qui est jeté aux enfers, qui est aussi le prince des ténèbres. Euh, voilà, on a vraiment un parallèle entre les deux, qui est intéressant, et on va voir que c'est pas la seule, c'est pas la seule occurrence satanique qu'on va retrouver dans cet épisode loin de là. Malgré le fait que voilà, on est sur un mythe grec, on n'est pas dans un, on n'est pas dans un imaginaire judéo-chrétien avec un, une figure satanique. Mais ça c'est intéressant de voir que les deux mythes, euh, les, les, les deux histoires entre voilà, Satan et le euh, jeté aux enfers, le Minotaure jeté dans son labyrinthe, euh, tous les deux qui se revendiquent prince des ténèbres, c'est des choses qui c'est un parallèle qui peut vraiment fonctionner, et d'autant plus avec cette, cette idée de rébellion contre une autorité qui serait euh, injuste. Sans plus tarder, donc je vous propose de plonger au cœur du labyrinthe avec Minotaure de Flash God Apocalypse, et on se retrouve à la sortie. On sur cette deuxième figure euh, du mythe d'Icar avec, ben pour le coup, le personnage principal, le héros. On va parler de lui et de voilà de son, de, de, de cette figure qui est, euh, comme le minotaure une figure très intéressante, chargée de symboles et qui a encore une fois inspiré pas mal de groupes de métal. Une fois de plus, j'avais le choix. Il y a pas mal de groupes qui se sont intéressés à la figure de J'en parlais un peu plus tôt. Emperor, euh, ça m'aurait pas déplu de. de de parler d'Empereur, de, de parler évidemment. Le seul problème, c'est que leur morceau euh, consacré à Icar est assez métaphorique, en fait, il revient assez peu sur le mythe. En réalité, Empereur joue beaucoup plus avec les symboles, et joue beaucoup plus avec euh, ce que peut représenter Icar, donc euh, c'est peut-être un morceau qui est intéressant d'aller écouter une fois qu'on connaît un peu plus le mythe. Euh, et puis ça revient pas assez sur l'histoire, je trouvais, donc j'ai laissé de côté pour ce qui est de maiden bah on va en dire du mal euh, parce que justement pu, on aurait pu parler de flight of icarus mais on va voir que ça aurait pas été une bonne idée donc je, je reviendrai là-dessus mais dans les autres groupes il euh, y avait le groupe haunt euh, Angra euh, sup aussi Supération, le groupe français euh, cataclysme ou même périphérie qui se sont intéressés à cette figure de icar mais j'ai choisi aucun de ces groupes puisque finalement leurs paroles étaient moins intéressantes en général que euh, les paroles du groupe Abigor qui est un groupe de black metal sur lequel je reviendrai euh, juste après. Mais avant de parler d'Abigor, on va continuer un petit peu notre histoire puisque on s'était arrêté au moment où le minotaure avait été emprisonné dans le labyrinthe de Dédale par le roi Minos. Le problème c'est que Dédale euh, commence pas mal à déplaire au roi Minos justement euh, puisqu'en fait, il a contribué à la naissance du minotaure en réalité. Euh, Dédale, on l'a dit, c'est un architecte et en fait il a fourni une génisse en bois pour que euh, Pasiphae, la femme de Minos, puisse se cacher dedans et s'accoupler avec le taureau. En fait il a aidé activement à la naissance du Minotaure et il a aidé Thésée à sortir du labyrinthe avec cette histoire de, de fil d'Ariane. Donc ça fait quand même plusieurs fois que Dédale déplaît fortement au, au roi Minos et donc il est euh, enfermé dans le labyrinthe à son tour euh, en, en guise de punition et ce, avec son fils. Donc Icar et Dédale sont euh, prisonniers, euh, ils ne peuvent pas sortir du labyrinthe, puisqu'en fait, euh, Dédale lui-même n'est pas capable d'en de, de, trouver l'issue. Le seul moyen de s'en échapper, c'est donc la voie des airs, c'est de, de, de s'envoler tout simplement. Et donc Dédale va créer des ailes faites de plumes et de cire pour s'échapper du labyrinthe. Je vais lire quelques courts passages de... Des métamorphoses d'Ovid, justement, pour revenir précisément sur ce que dit euh, Dédale à Icar, parce qu'il va falloir le mettre en garde, qu'il puisse sortir sain et sauf du labyrinthe avec ses fameuses ailes qui sont fragiles, puisqu'elles sont faites en plumes et en cire. Donc Dédale met en garde son fils. Icar, je t'exhorte à prendre le milieu des airs. Si tu descends trop bas, la vapeur de l'onde appesantira tes ailes. Si tu voles trop haut, le soleil fondra la cire qui les retient évite dans ta course ces deux dangers la première chose à dire c'est qu'il ne faut pas voler trop bas euh, puisque le, comme le dit Dédale, le, le, le danger c'est la mer qui risque d'alourdir de, de, les ailes et de ne pas voler trop puisque le soleil risque de faire fondre la cire, euh, cette histoire de Éviter ces deux dangers, éviter d'aller trop ou trop bas, ça fait très philosophie antique en réalité, avec cette idée, voilà, ces, ces fameuses recommandations qu'on peut retrouver, la raison, la mesure. Une école de pensée comme les stoïciens par exemple va être beaucoup dans, dans cette histoire hein, de, de, de trouver la juste mesure, de ne pas être dans l'excès, de ne pas faire trop, de ne pas faire pas assez de faire juste ce qu'il faut. Et donc ça, c'est vraiment des, des, des conseils qu'on retrouve euh, dans la bouche de Dédale pour Icar. Et juste après, il va continuer avec des choses. Ceci, imite-moi et suis la route que je vais parcourir. Donc on a une idée de, de père qui donne l'exemple à son fils. Mais le souci, c'est que, je cite encore une fois Ovid, le jeune Icare, devenu trop imprudent dans ce vol qui plaît à son audace, veut s'élever jusqu'aux cieux. Abandonne son guide, donc son père, Dédale. Et prend plus haut son essor. C'est là qu'il va de plus en plus haut vers le soleil et que malheureusement il se brûle les ailes et va tomber dans la mer. Il va aller vers les deux excès, vers les deux interdits euh, sur lesquels Dédale l'a mis en garde. Alors comme le Minotaur, on peut se demander pourquoi, pourquoi est-ce que ce personnage est intéressant et pourquoi est-ce qu'il est, -ce qu est re aussi représenté dans le métal. On a quand même cité pas mal de groupes euh, justement. Icar, il a, premièrement, il a tendance à se prendre un peu pour un dieu à, à s'approcher du soleil, et se croit un peu immortel quelque part, il se croit invincible. Euh, donc ça en fait un personnage quand même assez attachant, puisque c'est quand même un trait particulièrement humain d'être un peu insouciant, de faire, de, de faire des erreurs comme ça. Et puis aussi ça représente quand même la fougue de la jeunesse contre la, la raison des anciens. C'est Icar qui va, malgré les mises en garde de son père, va... Aller jusqu'au soleil euh, parce qu'il est, il est un peu enivré, il est un peu pris par ses envies. C'est une icône juvénile, c'est une icône euh, bah, adolescente, quelque part. Et voilà, ce côté adolescent, c'est ce qu'on retrouve dans le métal également. Vivre dans l'excès, vivre à fond, euh, en faire trop, jouer plus fort que tout le monde, être plus fort que tout le monde. Il y a ce côté-là, cette, cette hargne qu'on peut retrouver vraiment dans la, dans la figure Dicar Et au-delà de ça, on a aussi bah, cette histoire de transgression dans la relation euh, père-fils, encore une fois dans le avec cette, cette image du métal comme, comme une musique quand même très adolescente, on n'est pas loin aussi d'une figure prométhéenne ou luciférienne, avec l'idée de s'approcher du feu, du soleil, de défier une autorité qui est, qui est supérieure, il, il essaye de se mettre à la même hauteur que les dieux, et donc forcément il va en payer les conséquences, mais ça en fait forcément un personnage qui est intéressant à traiter, dans des paroles. On aurait pu se dire, du coup, Iron Maiden, en, dans son voilà, dans ses débuts de carrière, je crois que c'est le Piece of Mind, ça doit être le quatrième album si je me trompe pas. Euh, donc ils sont voilà, on est sur un groupe qui est quand même encore assez jeune, qui, qui est vraiment en pleine en pleine ascension en plus. Flight of Icarus aurait pu ben, bien représenter leur leur mode de vie, leur carrière, leur euh, qui ils étaient. Enfin voilà, ça, ça pouvait parfaitement coller. Le souci, bon déjà avec Iron Maiden, c'est c'est un problème qu'on peut retrouver sur d'autres morceaux, mais ils reprennent l'histoire de manière assez plate euh, et de manière assez descriptive en fait dans les paroles. Ce qui fait que c'est pas très bon, c'est pas très intéressant. Il y a assez peu de choses qui auraient pu en donner une lecture euh, intéressante. Mais le problème c'est qu'ils vont, alors, littéralement, à l'encontre du mythe dans le refrain en fait, puisque le refrain va nous dire "Fly on your way like an eagle, uh, fly as high as the sun". Donc, euh, euh, envole-toi euh, comme un aigle, envole-toi jusqu'au soleil. Uh, « On your way like an eagle, fly and touch the sun uh, », donc « Tu es sur ton chemin euh, comme un aigle, euh, envole-toi euh, et, et va toucher le soleil », et on finit par « Yeah, yeah. ». On a l'impression en tout cas que c'est Dédale qui encourage son fils, pour le coup, dans le morceau, à aller jusqu'au soleil. L'inciter à aller à toucher le soleil, ça a, alors que normalement il le met en garde, ça n'a pas trop de sens. On aurait pu même imaginer une réécriture, ce qui n'aurait euh, pas été euh, inintéressant, ça aurait pu être bien, mais cette réécriture fait qu'on perd l'intérêt euh, du mythe final qu'est-ce qui se passe quand ils vole jusqu'au soleil euh, il, il meurt. Donc, j'ai du mal à voir l'intérêt dans le refrain, dans le feu de l'action. Quand voilà, vous, vous voyez Maiden en concert et qui chante que, que tout le monde chante euh, "Fly Like an Eagle". Bon, c'est cool. Ça peut marcher d'un point de vue juste pour entraîner la foule pour. Euh pour, pour le chanter, parce que c'est un refrain assez simple qui, qui fonctionne bien. Mais en termes d'intérêt vis-à-vis du mythe, bah, au contraire, j'ai l'impression qu'ils qu qu sont un peu à côté. C'est pour ça que je ne me suis pas euh, attendé là-dessus, et en plus du côté vraiment très littéral. Tant pis pour Maiden, euh, pour cette fois-ci. Et donc on va plutôt se pencher sur Abigor, euh, qui avait des paroles plus intéressantes pour le coup. Et, euh, Abigor, c'est un groupe de black metal autrichien. Dans les premières années, il y avait notamment Silenus de, de Summoning euh, qui jouait avec eux. Si vous écoutez un peu de black metal, vous êtes peut-être déjà tombé sur Abigor, c'est pas euh, c'est pas des superstars, mais c'est pas non plus des inconnus euh, complets. Euh, c'est un bon groupe hein, qui fait son chemin depuis euh, bah depuis ils ont commencé dans les années 90 et puis ils continuent encore aujourd'hui. Ils étaient plus sur du black un peu euh, bah, un, un peu trop black euh, au tout début et euh, et puis ensuite ils sont orientés vers des choses beaucoup plus euh, un peu dissonante, un peu avant-garde euh, dernièrement. Et euh, notamment, si vous voulez découvrir, moi je vous conseille l'album, je crois que c'est de 2014, euh, qui s'appelle Leitmotiv Lucifer. Euh, si vous aimez du hein, black metal un petit peu dissonant, un peu euh, qui peut vous surprendre à chaque virage, euh, c'est un très bon album. Et, euh, et à Bigore, de manière générale, c'est vraiment un groupe qualitatif, un groupe qui est très très euh, Satan, en tout cas depuis le début. Euh, et ça tombe bien puisque le morceau qu'on va évoquer s'appelle Black Icarus. Donc euh, ça vous donne un peu le ton, et donc on va faire un parallèle dans ce morceau clairement entre Icar et une figure satanique. Encore une fois, on en parlait avec le Minotaur un peu plus tôt, Mais ça va être un peu la même chose ici. Et assez rapidement dans le morceau, on nous parle totalement à l'inverse des recommandations de Dédale un peu plus tôt. On nous parle de the magic of excess, overwhelming, euh, la magie des excès euh, me, me, me submerge. Euh, donc l'idée de fougue euh, liée à la jeunesse. Euh, est présente dans le morceau, et il y a même l'idée presque de tentation, et donc là on retombe dans un mythe un peu plus judéo-chrétien avec cette tentation pour le mal cette tentation pour le, le, le côté un peu sombre un peu plus loin dans le morceau on nous, on nous parle de Towards the Depths euh, vers les profondeurs alors ça c'est pareil intéressant puisque normalement Icar est censé faire un mouvement d'ascension il est censé aller vers le soleil mais en l'occurrence le Black Icarus de Abigor va vers les profondeurs et en fait il va aller peut-être se brûler les ailes mais vers les enfers, c'est peut-être plutôt ça qui se passe en réalité dans le morceau. Un peu plus tard, on nous parle de The Behead of Ecstasy, donc l'extase. Le, on est encore une fois ben, pas du tout dans la raison que promouvait euh, Dédale, pas du tout dans la raison qu'on pouvait entendre dans, comme on le disait, un peu la philosophie antique, d'être dans le, dans la juste mesure et pas dans l'excès. à l'inverse, on nous propose ici l'extase. Quelque temps après, on a Luring Madness waits for Me, le leurre de la folie. M'attend. Encore une fois, en plus avec cette idée de l'heure, justement, euh, un peu comme le soleil qui attire Icar, on a l'idée de voilà de, de tromperie et en même temps de céder à une sorte de tentation, à une sorte de démesure. Juste après, Black Icarus nous dit I gave my soul, donc je, je donne mon âme, euh, et the fires of damnation are calling, donc euh, les feux euh, damnés, les feux de l'enfer euh, m'appellent, et donc ici on est sur quelque chose qui rappelle forcément le feu du soleil. En l'occurrence, on parle des feux. Inferno, puisqu'on est sur un mouvement qui va vers le bas, euh, on est sur un Icar qui va aller explorer plutôt euh, les, les bas-fonds, les souterrains, euh, plutôt le royaume d'Hadès que, euh, que les cieux de l'Olympe en réalité. Euh, et donc on est sur une figure d'Icar qui est clairement satanique et qui est, euh, je trouve, très intéressante. Et malheureusement, c'est pas Maiden qui nous l'a proposé, c'est plutôt Abigor. Pour en terminer là-dessus, je vous propose d'écouter donc Black Icarus et on se retrouve juste après pour quelque chose d'un peu plus calme. On va parler de Thrice avec le morceau dédié cette fois à notre troisième personnage qui s'appelle Dédale. on va s'intéresser à un morceau qui n'a rien à voir avec le, le précédent. Ça tombe bien ça fait un contraste en fait euh, entre Icar justement qui est euh, comme on l'a dit hein, la folie le côté un peu extrême excessif et Dédale qui est un peu la sagesse de l'expérience qui est un peu le père euh, mesuré et aussi le père qui est malheureusement désespéré par la mort de son fils c'est exactement ce qu'on va voir avec ce morceau de Thrice dédié à l'architecte du labyrinthe. Côté groupe, il y avait moins de choses quand même euh, dédiées à Dédal, c'est vraiment Icar qui parle un peu plus au, au groupe. Euh, Dédal, il y, y a Death Heaven, notamment le groupe de, de Post Black, euh, qui, avait, euh, qui a un morceau euh, qui lui est dédié, mais les paroles n'étaient pas vraiment en rapport avec. Enfin, euh, très peu en rapport avec l'histoire, c'était euh, assez, euh, assez évasif, donc j'ai laissé de côté. Il y avait aussi le groupe Freedom Call qui était sur la liste, mais. Pareil, les paroles, les paroles étaient un petit peu trop littérales, il n'y avait pas grand-chose, je trouve, à creuser dedans. Je suis parti sur Thrice, euh, qui est un groupe de, de, de rock américain, qui, vous voyez, un peu rock un peu costaud, qu'on qu peut qualifier parfois de un peu rock alternatif, voire limite post-hardcore sur certains moments. Donc on est voilà, sur cette espèce de tangente avec ce groupe-là. Et c'est un groupe que j'ai découvert en fait il y a quelques années avec une vidéo de la chaîne de Paul. Paul, c'est comme ça que ça, ça s'écrit. Euh, je vous mettrai ça en description. Et il avait consacré sa vidéo à des concepts albums faits par Thrice. En fait, euh, le concept global s'appelle The Alchemy Index, donc ça a trait à l'alchimie. Et en fait, le groupe a fait un album sur chaque élément l'eau, le feu, la terre et l'air. Euh, et il a forcément orienté sa musique en fonction. De, de chacun de ces éléments. Le morceau consacré à Dédale en l'occurrence est sur l'album euh, qui est consacré à l'air. Euh, pour vous donner une idée de, enfin voilà, un morceau qui m'avait vraiment marqué euh, sur, euh, sur ces albums-là, c'est le morceau final puisque le, le groupe termine par, euh, par un album consacré à la terre. Et le dernier morceau de l'album consacré à la terre s'appelle Child of Dust, donc l'enfant le, de poussière. Et avec cette idée voilà de retour à la poussière une fois qu'on là voilà, une fois qu'on meurt, une fois que, que notre vie s'arrête, on repart à la poussière, on replonge dans les entrailles de la terre. C'est un morceau qui m'a particulièrement marqué parce que très ben très triste euh, déjà. Et avec un son qui s'étouffe peu à peu au, au fil du morceau. Parce que ça fait comme si on vous jetait des pelletées de terre sur le votre cercueil et que peu à peu vous n'entendiez plus euh, ce qui se passe à la surface. Et donc on se fait enterrer vivant dans le dernier euh, titre euh, de... Euh, de, de cette série de concept albums qui s'appelle The Alchemy Index et euh, voilà ça m'avait quelque chose qui m'avait vraiment particulièrement marqué donc voilà je vous recommande à la fois la, donc la vidéo de Paul que je vous mets en description et puis euh, et puis forcément d'aller écouter euh, Thrice ils ont fait des belles choses sur ces, sur ces quatre albums donc ce morceau d'Aidalus qui est consacré euh, à, à Dédale est un morceau chanté donc en voix claire, c'est assez calme et puis il y a des montées assez poignantes, voilà d'un père qui pleure la mort de son fils parce que c'est une situation vraiment ben, triste hein, qui, se joue, qui se joue là. Au début, on a une description assez littérale, assez euh, euh, terre à terre de ce, de ce qui se joue dans l'histoire. On nous parle de this island, our prison, our home, donc euh, cette île c'est notre euh, c'est notre maison mais c'est aussi notre prison. Donc on a une description de l'environnement, de tout ce que Icar a toujours connu finalement dans sa vie. Euh, cette, cette, ce, ce labyrinthe, cette prison. Une fois qu'il a mis en place son stratagème pour s'échapper du labyrinthe, Dédale va mettre en garde son fils, exactement comme dans les métamorphoses d'Ovid. Il le met en garde en disant ⁇ Steer clear of the sun or you'll find yourself in the sea euh, ⁇ Donc euh, reste euh, éloigné du soleil ou tu vas te retrouver dans la mer. Donc on a encore une fois cette idée de, de mesure, d'échapper au danger, de faire attention. Euh, donc, la rationalité finalement de dédale qui essaye de, de canaliser la fougue, l'impulsivité de Icar. Une fois qu'Icar s'est envolé, on a vraiment un discours de, bah, de père euh, à la fois énervé et en même temps euh, très touché, très désespéré par la situation. C'est marrant parce qu'il utilise vraiment des expressions très. Euh... La tournure de phrase ressemble vraiment à un père qui fait des reproches, qui fait la leçon en fait euh, à son fils. Il lui dit Won't you look at your wings la tournure de phrase, justement, Won't you look, c'est fait très. Euh, euh, mais, mais regarde, quoi, regarde euh, regarde tes ailes, regarde ce qui se passe. Enfin, voilà, on a vraiment ce côté euh, réprimant, en fait, qui est présent ici et qui est bah, vraiment tragique parce que euh, Dédale est vraiment dans son rôle de père. Et en même temps, les derniers mots qu'il dit à son fils, c'est justement ça c'est de s'énerver, c'est d'être un peu désemparé et de voir que, euh, que son fils ne l'écoute pas, justement. Il lui dit juste après For once, won't you listen to me euh, encore une fois, donc des reproches. Est-ce que tu vas, tu vas, finir par m'écouter Est-ce que tu vas enfin m'écouter Est-ce que pour une fois, tu vas m'écouter Donc, on, on a vraiment ce côté, euh, voilà, tragique d'un père qui gronde son fils pour son bien, mais, euh, mais euh, malheureusement, ça ne suffira pas. Il termine avec euh, ben, vraiment une prière, une lamentation envers les dieux, avec un motif qui revient plusieurs fois dans le morceau euh, où il dit, Oh gods, why is this happening to me Oh Dieu, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ceci m'arrive Il implore vraiment les dieux, un peu comme le Minotaur de Flèche God Apocalypse qu'on a vu un peu plus tôt, avec ce côté tragique. Malheureusement, le, le, le poids du sort s'acharne et euh, Dédale va se retrouver euh, sans, sans son fils et euh, il ne peut rien y faire, malheureusement. Le, le, les, le, le sort en avait décidé autrement. Malheureusement, le, la mort d'Icar est inéluctable, c'est quelque chose qui, est, euh, qui va arriver forcément. Et donc voilà, on est, sur un, non, on est vraiment sur un morceau qui est euh, très touchant pour ce côté. Euh, bah, à la fois, euh, comme je disais, hein, c est, c est, ce mélange entre énervement et puis euh, tristesse. Ce qui est triste, c'est que Dédale n'a pas réussi à faire entendre raison à son fils, et en même temps, son fils était euh, emprisonné depuis sa naissance. Il a goûté à la liberté dans ses derniers moments de, de vie en allant vers le soleil. Malheureusement, la raison et l'expérience de Dédale n'auront pas suffi à épargner son fils. Là-dessus, on s'écoute le dernier extrait de cet épisode avec. Darvidalus de Thrice et on se retrouve juste après. C'est la fin de cet épisode, merci à vous d'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur euh, voilà, ce mythe d'Icar de... euh, et puis les personnages qui l'entourent. Si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner aussi à la chaîne de Metallurgie. Petit rappel là-dessus, j'essaye de sortir des vidéos qui sont un peu bah, en fait, dans le même esprit que l'œuvre au noir. Si vous aimez ce podcast, je pense que les vidéos peuvent vous plaire. Je me focalise pas mal sur les pochettes d'albums. Euh, en ce moment.. Euh... En ce moment, particulièrement dans le death metal, donc je suis revenu sur euh, Mor Morbid Angel. J'ai sorti une vidéo sur Bolt Thrower, euh, qui sont deux groupes qui ont utilisé en fait des peintures euh, pour leurs pochettes d'albums. Et le but de ces vidéos, c'est d'expliquer euh, quel peut être le lien entre ces fameuses peintures qui ont été peintes il y a parfois plusieurs siècles et la musique de ces groupes de death metal. Pourquoi est-ce que Ball Thrower euh, aurait eu envie d'aller prendre un tableau de Delacroix Eh bien, il y a des raisons à ça, il y a des explications. Et donc c'est ce que je propose dans ces vidéos sur la chaîne de Metallurgie. Et puis la dernière vidéo de cette série euh, va arriver dans les semaines à venir. La vidéo est écrite, il me reste le tournage et le montage, donc il va prendre un petit peu de temps forcément, mais c'est dans, dans les cartons, très clairement. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusque là. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'été. Ne vous approchez pas trop du soleil, comme on a vu que ça pouvait être dangereux. Écoutez des disques et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode d'Oeuvre en Noir. Salut